toutes. Il fait très froid. J'ai froid. Vous avez froid. On fait quoi? On sort plus? On hiberne? On reste sous sa couverture? On attend que le temps passe? Bah, bien sûr que non, on va pas hiberner, voyons. Mais on va de suite créer notre projet. On y va? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire la suite. Vous vous souvenez, nous avions fait ce bandeau avec le reste du pull vert ou le reste de votre suite. Nous allons faire un snood. Et un snood, c'est tout simplement une bande très large et longue. Pour ma part, j'ai déjà fait le mien et je vous invite ensemble aujourd'hui à faire le vôtre. Laissez la largeur de votre pull telle qu'il est. Ne coupez rien du tout. Vous allez couper juste ici au niveau de la hauteur. La largeur, ça sera un seul tube. Pour ce modèle-là, vu que c'est des rayures, c'est simple. Moi, je vais suivre la rayure et je vais couper tout autour pour dégager cette partie du bas. Donc, la largeur de votre snood sera celui-ci et la profondeur 30 cm. Vous allez donc obtenir un tube. On plie une fois, on replie une deuxième fois. Moi, je commence par la couture de côté, c'est plus simple. Je viens de l'autre côté, je fais pareil. J'essaie de trouver à peu près le milieu de là, mais tout ça, c'est juste de à peu près. Je plie une fois, je replie aussi une deuxième fois. Ça, c'est pour éviter à ce que l'ourlet part de travers. Et à partir de là, je reviens et je repositionne mon ourlet comme il faut. Ce qui est important, c'est de bien plier votre ourlet et que cette largeur-là soit la même tout le long. Une fois que vous aurez bien épinglé, vous n'aurez plus qu'à engager sur la machine. Engager, levez le pied presseur. Baissez votre pied presseur et vous piquez, piqûre nervure, tout le long du tube. Bien sûr, arrivé à la fin, n'oubliez pas votre point d'arrêt. Voilà, vous aurez ce résultat, un petit ourlet bien fini. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est tout ce que vous avez à faire. Pour finir votre ouvrage, vous n'aurez plus qu'à donner un petit coup de fer, de préférence à l'envers de la pièce. Et voilà, votre ouvrage est fini. La dernière fois, vous avez fait le bandeau. Aujourd'hui, votre snood. Et vous avez votre joli ensemble. Le tuto prend fin, vous l'avez compris. Bien sûr, il vous reste des chutes, j'en suis sûre. Bien sûr, vous les avez gardées, vos chutes, parce que vous avez compris le concept. Avec ces chutes, il y aura la suite. On l'a fait, super! C'était à la fois rapide, utile, et vous avez vu? La classe, non? Je vous sens toute prête à affronter ce grand froid. En attendant, un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!